Oh, il arrive. Il traverse. Il va traverser, ouais. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau sur Sirenhead Remastered. On va essayer de terminer le jeu cette fois. La dernière fois, on n'a pas eu de chance. Il a spawn d'un coup sur nous. Il m'a fait ma washigiri dans la nuque. Donc c'est parti. On va aller chercher nos amis en train de chasser. Merci les touches, on les connaît. On va courir avec notre endurance limitée. Donc je refais la dernière fois. Rappelez-vous, il y a eu un petit bug. Il a spawn directement sur moi. J'avais regardé, j'ai fait ça et là, d'un coup, il était là. J'ai pas compris. Donc on traverse le rocher dangereux comme d'hab. Donc là, le but, c'est rejoindre nos amis qui sont partis chasser. Ils nous avaient invités. On va aller dans leur coin classique. Mais ils n'y seront pas. Et vous savez très bien pourquoi. Donc c'est parti, on avance. La dernière fois, j'ai dû refaire plusieurs parties. Si vous y jouez, j'ai rencontré des bugs. Il y a des événements qui ne se sont pas déclenchés. Bon, ça, c'est relou. Surtout qu'on doit se retaper tout ça à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de checkpoint. C'est pour ça que ça donne envie d'abandonner. Donc là, il dit qu'on va se focus sur, la chasse. Et là, nous on est ici à peu près là. Donc la zone de la chasse, c'est en face. Où il y a les animaux. On voyait les cerfs sur la petite map. Là, normalement, on va se faire surprendre par le bruit. Et ça... Bon réflexe, monsieur Domfanico. Il y avait bon réflexe. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois faire attention. Donc là, on a le grillage. On va longer le grillage. Il n'y a pas d'animaux. Mais il y a des bruits. Des bruits assez chelous. Ok. Wow. Ok, un psychopathe qui siffle dans la forêt. C'est Sirenhead les mecs, vous le savez. Ok, donc là on voit un petit peu les pixels qui bug de là. On va s'approcher. Ice cream truck. Ah, je kiffe cette musique. La musique du marchand de glace, la musique du clown. Ça me fait penser à Ice Cream, le jeu que je kiffe énormément. Je pense que vous aimez beaucoup aussi. J'ai hâte qu'il sorte le prochain. Ok. Donc on a trouvé un corps. 10 000 dollars pour Sirenhead, c'est pas beaucoup, je trouve. Hein. Surtout regardez comme il a fait un massacre. Donc ça, c'était un de nos amis. RIP. Et là, c'est le drame. Ok. La radio qui se déclenche. Bon, ça, c'est les zooms les plus pourris. Hein. On zoome pas comme ça avec une arme. Normalement, on met la lunette. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je crois qu'il parle en russe. Hein. Je suis pas sûr. Ok. Il va arriver. Oh oui, c'est vrai, c'est la voiture. Oh shit. Ah, c'est toujours autant incroyable. Moi, je kiffe hein, les trucs comme ça. Et là. Il est là, regardez-le. Oh, il est incroyable. Il fait du sur place? Non, il avance. Ok. Dégage de l'autre côté, s'il te plaît. D'accord. Donc nous, on était allé là-bas, il y a un mirador et tout. Et ici aussi, il y a un mirador et un camp. Donc c'est là qu'on va essayer d'aller. Lui, par contre, je sais pas par où il part. On va être attentif. Hein. J'ai très peur. Et ouais, il était sorti d'un coup, la dernière fois. En plus, j'avais fait ça et hop, d'un coup, il était derrière moi. Donc, comment je fais? Il n'est pas fait de bruit. J'ai très peur, hein. Je suis obligé de marcher en faisant des 3-6. Ok. Ah putain, mais le bruit correspond pas du tout avec l'endroit où il est. Oh shit. Oh shit, oh shit. Ok. Donc là, on a des choses. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Une clé? Fine. Ouais. Mais prends-la, mec. Oh là là, le relou. Il a mis sa vie. Ok, il y a eu un véritable massacre. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Ok, on a une clé. Donc, ce sera peut-être la clé du coffre qu'on avait vu. On va monter. Il n'y a rien d'autre ici. Ok. Donc, il y avait un coffre, mais dans le mirador là-bas. Par contre, je sais que je passerai pas par là parce que c'est verrouillé. On aurait un grillage. Donc j'ai la clé du coffre. Comment je vais faire? Je dois faire le tour là. Ouais. Je dois faire le tour parce que là c'est verrouillé.
D'accord, j'espère qu'on va pas tomber sur lui. 7 balles, ça devrait le faire. Donc là on fait attention parce que le bruit, vous avez vu, on l'entend d'un côté, mais il vient de l'autre. C'est vraiment traître. Il vient pas de la montagne, j'espère. Ok. Donc là c'est cool, je sais où je dois aller. On va juste faire gaffe à notre endurance. Oh, j'aime pas trop quand les jeux c'est un peu buggy comme ça. Ok. J'espère qu'on aura pas le même sort que notre pote. Pas comme derrière fort en tout cas. Il y a un petit barbuck improvisé. On va éviter d'aller par là. Non, on traversera. Non. Ah, mais what the fuck? Ça n'a aucun... Le gars, je peux pas finir le jeu. Je peux pas finir le jeu, ça n'a aucun sens. Ok, donc je viens de passer sur la version mobile parce que la version PC c'est clairement n'importe quoi. Vous l'avez vu, c'est totalement buggé. Je comprends pas d'ailleurs. Donc c'est vraiment la version Wish là. Bon, je critique pas les versions mobiles, il y a des jeux qui sont incroyables sur mobile. Bon là au moins on voit clairement à quoi ressemble l'endurance. Je pense qu'il y aura moins de bugs sur mobile, ce qui n'est pas logique je trouve. Normalement une version devrait être mieux aboutie sur PC. Ah c'est plus pratique, je vois la chaussure, l'endurance exactement quand ça va se terminer. Donc c'est la même chose, je vous évite les dialogues, les textes plutôt. J'espère qu'il n'y a pas spawn aléatoirement et j'espère que c'est au même endroit les items surtout. Donc moi la map, ouais c'est la même chose. Normalement c'est censé être la même chose. C'est la 5e fois que je refais le jeu, c'est la première fois que je le fais sur mobile. Croyez-moi que c'est relou. Prochain échec, j'arrête. Bon, la vision ne va pas très loin, je trouve. Hein. Là, je switch. Non, j'ai confondu le recharger et tirer. Shit. Attendez. Ok. Pendant que je fais mes touches. Voilà. Je suis désolé pour la petite pub en haut. Je peux pas l'enlever, sa version gratuite. Je zoome avec R, c'est pas normal. Voilà, notre pote s'est fait buter. J'ai gaspillé une balle, ça se trouve on va perdre à cause de cette balle. Allez. Ok. Là, on voit le cadavre. Ah, là c'est pas pixelisé. Eh, hey, il y a plusieurs corps là, il n'y en a pas qu'un seul. Ou c'est un morceau peut-être. Ouais, c'est un morceau, c'était la tête. Ok, est-ce que je peux y aller ou est-ce qu'il y a un mur invisible? Ok, il y a toujours la radio. Donc normalement, il va s'approcher par là. Là, c'est assez stressant, on n'a pas vraiment de distance de rendu. Allez, le Ruskov. Ah ouais, la voiture. Ah ouais, la voiture, j'avais oublié. Shit. Est-ce qu'il vient sur moi? Ok. Donc je zoome. Ouais, elle est gigantesque. Allez, pars. On va le suivre. J'espère qu'il se téléporte pas celui-là. Normalement, il est sur la gauche. Les gars, si se téléporte, j'abandonne. Hein, je vous le dis de suite. Hein. C'est hors de question que je galère sur des jeux buggés. Là, ça a l'air clear. Hein. Enfin, ça pop au dernier moment les items, mais bon. Je crois que j'ai pas paramétré ma touche pour ramasser les items. Ok. Donc j'ai ramassé avec eux. Un peu l'embrouille au niveau des touches. Ok, donc là, je reviens sur mes pas. Là, ils s'en fait massacrer. Il est où lui? S'il vous plaît, faites que je puisse rentrer. Personne m'embête. Allez, on revient sur nos pas parce que là-bas, je sais que c'est bloqué par un grillage à gauche. Ici, on peut pas. Ça m'inquiète là. J'ai peur qu'il pop d'un coup. Allez, CRNL, t'es où? Je vais longer comme ça. Il m'avait eu là sur la version PC. Allez, on trace. Donc juste ce qui est dommage sur les versions mobiles, c'est qu'on est obligé d'avoir tout ça sur l'écran. Moi, j'aime pas quand le HUD, il est montré, en fait. Ok. Pour l'instant, ça n'a pas l'air dangereux. Est-ce qu'on peut traverser? Donc là, si on a la maison, on a le mirador pas loin. On doit être là. Donc là, il fallait quelque chose pour casser, pour entrer. Ici, il y a un coffre. Donc j'ai la clé. Il me semble que c'est ça. J'espère. Et surtout, j'espère qu'on aura cette balle. Ok, on monte. Je suis jamais arrivé autant loin. Donc c'est peut-être une bonne chose. La version mobile n'est peut-être pas trop buggée à part les mouvements. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Yes!
Une hache. Ok, on va pour casser en dessous la maison. Pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ça va continuer. Bon, je peux vous mettre la lumière, mais j'ai peur. On va vous mettre la lumière. Allez, on ouvre. Yes! On a les rames. Est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir? Il y a juste ça à faire? Et je vais au bateau et c'est bon? Qu'est-ce qu'on a? Monsieur Boogie? Maman? Moi? Et Dorothy? Ok, on va éviter Monsieur Boogie. Est-ce qu'il y a un autre monstre? En plus de Siren Head? J'espère pas du tout, vraiment. Oh merde, il est où? Il est où pour vous? Moi je l'entends là. Faut que je regarde partout là. Faut que je regarde partout parce que je le vois pas. Oh. Il est en face? Oh! Il arrive. Il traverse! Il va traverser, ouais! Il a pied! Non! What? What the fuck?